Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Je suis Christopho, l'auteur du moteur de jeu Solarus et de l'éditeur de jeu Solarus Quest Editor. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement au moins déjà joué à un ou plusieurs projets créés avec Solarus. Il s'agit de jeux d'aventure en 2D, en vue du dessus, Zelda-like. Comme par exemple Ocean's Heart, qui est un des projets les plus prometteurs créés par Max. Alors dans ces tutoriels, je vais vous apprendre petit à petit à créer votre propre jeu. Donc je suis ici sur la page de téléchargement du site officiel solarusgames.org. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez deux volets. Un côté pour les joueurs qui contient l'application Solarus Launcher qui permet de lancer divers jeux créés avec Solarus. Les jeux sont sous la forme de fichiers .solarus. Si vous en avez déjà téléchargé, vous avez déjà l'habitude. Et côté créateur de jeux, ce qui va nous intéresser donc dans ces tutoriels, vous avez la même chose avec en plus l'éditeur de jeu, Solarus Quest Editor. Donc on va le télécharger ici. Alors dans mon cas, j'ai déjà téléchargé à l'avance. Sous Windows, c'est un fichier zip que j'ai extrait ici. Et à l'intérieur, vous avez essentiellement deux éléments. La quête d'exemple Sample Quest, donc c'est un petit exemple de jeu avec quelques maps, quelques tilesets et quelques sprites. Et Solarus en lui-même qui est ici. Donc on retrouve ce que je vous disais juste avant, l'application pour les joueurs, Solarus Launcher, dans lequel vous pouvez ajouter des quêtes et y jouer. Et donc le côté créateur de jeu, Solarus Quest Editor. Alors comment créer un nouveau projet? C'est ce que je vais vous expliquer dans ce premier tutoriel. C'est très simple, vous faites fichier, nouvelle quête. Et ici, vous devez choisir un dossier dans lequel la quête sera créée, donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple chapitre 1. Et donc là, il m'initialise une nouvelle quête avec déjà pas mal de choses dedans. Vous pouvez tout de suite vous amuser à lancer votre quête, exécuter la quête ici avec ce bouton, ou alors le menu exécuter, exécuter la quête, ou encore F5, le raccourci clavier. Donc voilà à quoi ça ressemble, vous avez déjà un personnage jouable dans une map, dans une salle vide, et un HUD, donc avec des icônes ici pour utiliser votre épée, pour mettre pause. Donc l'épée c'est le bouton C, le HUD est cliquable d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur l'épée pour donner un coup d'épée. Tout ceci est personnalisable entièrement. Le HUD, c'est un script, ou plutôt des scripts en langage de programmation Lua. Donc je vous apprendrai petit à petit comment personnaliser tout ça. Comment aussi créer des maps, modifier des maps, créer des tilesets, des sprites, et ainsi de suite. Il y aura des tutoriels, bien sûr, sur tous ces aspects-là, tous les aspects de la création d'un jeu. Alors, pour en revenir à la création de la quête, quand vous venez de créer votre projet, ça vous affiche cette page-là, avec toutes les informations de votre quête. Il y aura un tutoriel plus détaillé sur chacun de ces éléments, mais on va par exemple s'amuser à changer le titre. Le titre par défaut étant Untitled Quest, donc comme c'est pas terrible, on va l'appeler chapitre 1. Et sauvegarder. Et maintenant, si je relance mon jeu, le titre de la quête que j'ai mis, donc chapitre 1, s'affiche là-haut, dans la barre de titre. Alors ici, sur pour vous présenter rapidement l'interface de Solarus Quest Editor, vous avez dans la vue principale des onglets, avec tous les fichiers ouverts. Donc là j'ai le fichier des propriétés de la quête qui est ouvert au début. D'ailleurs je peux le refermer, mais vous pouvez ouvrir tout type de fichier, ça c'est le script principal. Vous avez les maps qui sont dans le dossier map, donc vous pouvez déjà ouvrir la map qu'on vient de voir dans le jeu ici.
les sprites, et ainsi de suite. Toutes les ressources s'affichent ici, dans la vue arborescente. Donc là, vous avez directement une vue des fichiers qui sont dans votre jeu. Vous pouvez les retrouver sur votre disque. Donc dans le répertoire dans lequel vous avez créé votre quête, un répertoire data a été créé par l'éditeur et il contient donc tous les fichiers qu'on retrouve aussi ici. Tous les fichiers de votre jeu. Et pour distribuer votre jeu aux joueurs, vous pouvez faire fichier construire le paquet de la quête et ça va vous générer un fichier .solarus qui contient en fait tout le contenu de ce répertoire data. Donc je vais le créer là-dedans, par exemple il va s'appeler on va l'appeler chapitre 1.solarus, ça serait logique. Je fais build. Donc là il est en train de nous créer l'archive, c'est fini. Et vous avez donc votre beau fichier .solarus que vous pouvez maintenant proposer en téléchargement à vos joueurs. Et vos joueurs, ils vont donc pouvoir tester votre jeu depuis le lanceur de quête Solarus. Solarus Launcher, ici, ils vont faire ajouter une quête. Alors le lanceur de quête, il va complètement changer dans une prochaine version. Mais, enfin, il va changer de look, mais il aura toujours la même fonction, qui est simplement de pouvoir ouvrir un fichier Solarus. Donc là, j'ajoute ce fichier-là, .solarus, à ma liste de quêtes. Et donc, je peux y jouer. Voilà, donc, encore une fois, ça, c'est le point de vue du joueur, cette application-là, le Solarus Launcher. Et le point de vue du créateur de jeu, ici. Donc pour conclure sur le Solarus Quest Editor, une vue d'ensemble de l'interface. Donc je vous disais, vous avez toutes les ressources, tous les fichiers de votre quête qui s'affichent ici dans la vue arborescente. Vous avez la vue principale avec les onglets. Ici, c'est une map. Bien sûr, des prochains tutoriels vous expliqueront comment créer une map. Et ici aussi, vous avez une console qui affiche des informations lorsque vous exécutez la quête. Alors ça peut être utile surtout à des fins de debugging. Si vous avez rencontré des problèmes d'affichage ou autre, vous pouvez avoir des informations qui peuvent aider à régler les problèmes. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Encore une fois, vous allez pouvoir apprendre énormément de choses dans les prochains tutoriels. J'espère que ça vous intéresser. N'hésitez pas à venir sur le Discord de Solarus pour poser toutes vos questions. Il y a toute une communauté qui est toujours ravie de vous aider. Merci à tous, c'était Christopho et c'est tout pour le moment.